C'est ski. Je veux gagner. Elle est mollo. Je veux gagner. Comment ça, je veux gagner? Je veux gagner, je veux gagner. Mais on est d'accord que cette personne n'a même pas de tenue de véhicule là. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai un poulet si vous voulez. Oh, mais c'est le bordel ici. Qu'est-ce qu'il fait? Je nous ai inscrits, Allô? Je suis dans la voiture blanche, viens. Qu'est-ce que tu fais? Désolé, bah, on est prêts, non? Ah, c'est... Ah, il nous donne des voitures. Oui, il donne des voitures, Mais Harris, il a dit de sortir des voitures. Oui, mais parce que nous, on est inscrits, c'est bon, non? Non, je voulais conduire. Bon, j'en prends une autre. Ah bon? Ah oui, mais moi, je voulais pas conduire tout seul. Bon, si je tue des gens, je suis désolé alors. Ah, pardon, bonjour. Bonjour, je suis trompé. Oui, d'accord. Dans quelques instants, wow. Différents participants seront lancés dans une course effrénée. Le vainqueur de cette course. Mais merde. Monsieur, il faut se séparer. Excusez-moi. Il est en moto et il est considéré comme le plus rapide de France pour son âge, Gérard Pichon. Non, c'est moi ça. C'est moi le rapide. Ils sont ici pour représenter leur famille. Ils ont un autre ami qui fait mal quand on le prononce. C'est Daniel et son frère de la famille, Crouch. Oui, c'est nous. Il est tout seul là. Daniel Crouch. Antoine Crouch, il est tout seul là-bas. Il s'affronte pour la grande finale. Attendez, et attention quand même, hein. Derrière là. Eh, hey, stop. Faut arrêter, hein. Eh, hey. Calmez-vous. Stop! Mais je vais lui péter la gueule! Vas-y, sors de la voiture là, c'est bon! Ouais! Daniel! Je vais lui péter la gueule moi! Ça suffit hein! Mesdames et messieurs, annonçons la première course! Nous réalisons la première course en deux étapes! Vous serez 7, 6 en voiture et 1 en moto à participer. Les 7 autres restez sur le côté. Une fois que le tour est terminé, vous pourrez prendre la place dans vos véhicules. Merci. Je vais donner le top départ. Êtes-vous tous prêts? Oui. 3, 2, 1, partez. Et on est parti. Attention quand même, hein. Ouah. Oh putain. Let's go. Putain de merde! Ok. Putain, mais c'est quoi ces fous furieux? Gauche 14h! C'est bon, ça c'est réglé! Ok, ça c'est réglé, on y retourne. Allez, tout droit, c'est mais papy, il s'est mis bien là! Oh là là, c'est pas rouge, je connais pas le circuit, putain, j'aurais dû faire du repérage! Deuxième, mon évêque. Pourquoi je suis dernier? Poussez-vous, s'il vous plaît! En fait, c'est ça, faut compter sur les erreurs des autres. Bah ouais, suis droite. La ceinture, j'oublie toujours la ceinture. Mais y'a du feu là. Mais je vois rien, ça m'éblouit. Non. Heureusement qu'il y a des flèches partout parce que sinon je me serais perdu. Oh attention. Bordel, ils sont tous derrière moi en train de se rentrer dedans, qu'est-ce que c'est que ce bail? Attends, pardon. Gérard Pichon est le grand gagnant de cette première course. J'ai gagné clairement parce que j'étais le meilleur, pas parce que j'avais une moto et que c'était complètement cheaté hein. Il a triché, non? Il a triché car il n'a pas le même véhicule. De toute façon, il ne sera pas comptabilisé, mais la course continue et est prêt. Oh non, mais je les ai pris. Oh, pardon! Ah non, mais ça. Oh non! Il y a des cyclistes! Let's go! Oui! Il faut que j'essaye de retrouver Antoine. Pour monter dans sa voiture. Oh là là. Mais je sais plus ce qu'il avait comme voiture, Antoine. Oh, je vais leur foutre un tour, tellement ils sont nazes. Ça va, monter. Complètement déglingo, toi. Putain, ouais, je vais monter, puis je vais te démonter la gueule, tu vas voir ce qui va se passer. Ils vont rentrer tous là-dedans, là, et moi je vais monter dans les voitures. Oh, mais j'ai pas fait exprès, monsieur, moi je vous savez, je suis pas très malin, mais je suis débrouillard, et c'est pour ça que je vous dis, venez, on s'amuse. Oh, bah je vais leur foutre un tour à eux, là. Et alors, on se traîne. Oh, putain. Oh, merde. Quels vont être les derniers sauts? Oh,
fantastique. J'espère que les ceintures étaient bien attachées. Et c'est Johnny qui arrivera en quatrième position, ne me tue pas. C'est pas Johnny, okay. C'est moi. C'est vous Johnny. Enchanté Johnny. Ah, enchanté, ouais. Je retourne là-bas, je vais m'excuser parce que du coup, ils ont perdu une voiture à cause de moi. Il me semble que c'est Gauthier Lefasse qui serait arrivé en premier avec une voiture. Est-ce que Gauthier Lefasse est dans les parages? Ok. Ah, je crois pas, ça. C'est Gontran Santé. On a fait la course. Comment ça, Gauthier est arrivé en premier? C'est que c'est connerie, là. Essayez au pas de nous carotter, nous, monsieur, hein. Monsieur Pichon, je suis d'accord que Gérard a sans doute gagné. Vous avez fait ma foi deuxième, une voiture est arrivée avant vous. Il s'agit de Gérard Lefasse qui arrive et qui fait son deuxième tour. Ça regardez fait ici. Mais non, mais j'ai déjà fait deux tours, de quoi vous parlez? Mais où est mon cousin? Apparemment, j'ai un problème avec l'une des voitures. Il y aurait l'une des joueuses qui se serait bloquée dans un anneau, on me dit, et qui serait bloquée. Oh non, Daniel! Ça doit être Daniel! Pour l'instant, les résultats, c'est première place pour le Fast, deuxième place pour le frère Pichon et troisième place pour Johnny. J'ai fait deux. Non! Johnny! Non! Johnny, il a pas fait trois, il était dans ma voiture! Il était dans ma voiture! Ça va pas se passer comme ça. C'est bon. Oh, c'est bon, hein. Là, on m'écoute pas. Moi, je ramène Johnny à la victoire. Ouais, j'ai beau être bonnet. J'ai beau être bonnet, je me fais pas avoir comme ça, hein. Oh. Ouais, ouais, ben, je me suis bien fait renverser par Croûte, là. Par Croûte? Ah ouais. Bon, ouais, ben, ils auront une voiture en moins. Ouais, ouais, m'en fous. M'en fous. Je vais leur piquer toutes les voitures. Ouais, Daniel. T'es où? J'ai volé une voiture. Y'a quelqu'un dans ta voiture? Non, j'ai volé une... Quoi? Eh, salut, vous faites quoi? Frappe-le. C'est votre voiture? Bah, c'est à nous. Ah, pardon. Je crois que c'est une des voitures de course. Non. Y a un tout-bip dans le... C'est qui? Ils sont... Je suis perdu. C'était qui dit? Ok. Et non, vous prenez une voiture pour ça. L'autorisation de la moto, c'est bel et bien Gérard Pichon qui est premier. Ah, la moto, c'est bon, elle a été validée, mon GG. Vous êtes du coup qualifié, vous vous mettez sur le côté, vous attendez que cette course passe et on enchaîne. Oui, nous aussi donc, hein. Mais non, toi t'es... Allo Harris. Quoi? Oui. Mais Gontran Santé, il a terminé deuxième. Bon, attends, je vais me le faire. On est qualifié. Le deuxième, c'est le Fast. Et a priori, le troisième, c'est le frère Pichon. Hein. Vous êtes arrivé en quatrième position. Mais non, mais c'est impossible. On est arrivé... Oh, il m'a dit qu'il a fait deuxième, là, Gontran Santé. Moi, je suis tombé de la caisse, mais il a continué la course tout seul et on a renversé tout le monde avant. Le truc, c'est que si vous avez fait officiellement troisième... Vous êtes quatrième si on laisse passer la moto. Si la moto est disqualifiée, vous êtes troisième et donc qualifié pour la grande finale. Le deuxième, c'est qui? C'est le capitaine. Quand je l'ai vu, t'étais pour l'instant, connard. Je te rajoute. Ok, merci. C'est quoi, c'est un tour ou deux tours? Eh, hey, réponds mieux, il va te mettre en prison, toi. Pardon, mon cadet, c'est mon cadet. Ah, ok, pardon. Il te mettra pas en prison, mais doucement quand même. Qu'est-ce qui se passe, Johnny? Mais je comprends pas. Moi, je suis tombé de l'auto parce que, comme d'hab, j'ai oublié de mettre la ceinture. Et mon stagiaire, il a bien dit qu'il a fait deux. Et maintenant, on me dit qu'on a fait quatre. Je vais tout brûler. Moi, apparemment, il y a le fameux Fast, là, qui est arrivé après moi. Ensuite, mon frère. Et ensuite, votre assistant, je crois. Ok, ça m'a l'air bien louche, cette histoire. J'ai bien compris que vous aviez le bras long. Bah non, moi, de mon côté, je veux dire, y a pas d'entourloupe. C'est le Fast, moi, qui me semble être un escroc. Mais qu'est-ce qu'il fait, Antoine? Il est là-bas. Je suis pas d'accord. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis pas d'accord, c'était notre place. Mais c'était notre place, Johnny. De toute façon, nous aussi on s'est fait baiser. Ah oui? Ah, vous êtes fait baiser? Ah bah c'est bon alors. Excusez-moi s'il vous plaît, arrêtez avec les moteurs quelques instants, fermez la bande de troufions. À la première place, nous avons donc le Fast. Et à la troisième place, nous avons Gontran et Johnny. Non, c'est ma place. C'est moi qui ai pris Johnny dans ma voiture parce qu'il était, il était tout seul. Vous avez peut-être fini avec Johnny, mais c'est la voiture de Gontran qui est arrivée en troisième position et qui est qualifiée. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je pense que t'as un bordel sans nom. Bah merci le yinche. Attends, elle m'a donné une clé. Une clé? Ouais. 82 MVV 692. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire encore, GG? Ben ouais, mais je sais pas, c'est quelle voiture, le yinche? Montre-moi. Il est où, Antoine? Oh! Waouh! Waouh, les lumières! Mais il a encore disparu, mais quel enfer! Ah, mais t'es là! Non, mais... Regarde les lumières! Vous voulez que je vous fasse un petit set? Mon frère, c'est Daft Punk. Allez, let's go! C'est vraiment votre frère, Daft Punk? Je vous préviens, je déteste la musique, j'aime juste les jingles libres de droit. Allez, c'est parti, les trucs libres de droit! Je fais des petits mouvements de capoeira comme ça là.
Bah moi je m'étire, hein, j'ai le cul monté sur rotule depuis un petit moment. Mais c'est important de s'étirer. C'est quelle voiture? Montre-moi. Merci. Oh! Allez, on va faire la course là-dedans. Regarde, regarde comment mon cul il est monté sur rotule après. C'est un délire. Ah, il se passe beaucoup de choses quand même là. Oh, oui, c'est vraiment super. Ils mettent des choses bizarres dans leur club, je vous le dis, moi. De toute façon, on vit dans une société. Ça a l'air d'être un grand sage, en tout cas. Vous voulez des clopes? Je sais pas si... Oui, bah vous êtes bien aimable. Voilà. On prend en même temps la cigarette, Daniel? Ouais. Regardez, vous allez voir. Mais il n'y a pas de souci parce que j'en ai déjà pris plein de cigarettes dans ma vie, donc... Spécialement pour vous, ça, non? Ah ouais. Je sens pas la même chose, moi. Et voilà, vous avez vu. Ça va? Ça a été un peu fort pour Daniel! Daniel! Ah, attends, ouais, voilà, elle vit une expérience paranormale! Qu'est-ce qui arrive? Ça va, les gars? C'est l'émotion! Mais je comprends pas parce que. Ah, attendez, j'ai des petites contractions des muscles. J'ai adoré! Johnny, y'a Donatien là! Bah, il faut lui demander! Quoi? C'est notre patron, Donatien, vous connaissez oui, Donatien? Crusty le clown, mais pourquoi tu parles à ce mec? Bah, on va faire des affaires avec Donatien! Ouais, bon, ça m'étonnerait bien! Et vous bossez pour Crusty le clown, c'est ça? Bah, on bossait. Et puis, en fait, avant, on était médecins, on a été radiés. Oui, parce qu'on avait perdu des ambulances. Ah oui, quand même. Ah, oui, ah merde, il fait pas une histoire de course, là. Attendez, j'arrive. Et une drôle de démarche. Hein. Là, normalement, c'est l'heure de la finale. Je vais attendez, messieurs Pichot, je vais vous faire de la place. Bah oui, laissez... Ah, merci, Ben. Merci. Merci bien. Johnny et Gontran et les frères Bichon. Est-ce que tout le monde est en place? Bah oui, bah en même temps, c'est à notre place, hein. C'est à notre place, hein, les pichons, là. Mais moi, je pense qu'on aurait dû être dans la même voiture. Est-ce que tout le monde est prêt? Et c'est qui, ça, encore, là? 3... Attention. Je vais les laisser partir. 2... Mais qu'est-ce qu'il fait, le frère Croûte? Oh là là, en tout cas, c'est vraiment une drôle d'expérience. Oh là, on a perdu quelqu'un. Ça va, j'ai la tête dure. Je suis sûr, on va être surpris. Oh putain, ça tourne pas du tout. Poussez-le. Lui, il va amortir le virage, c'est connu. Attention, il y a des fusées derrière. Allez, on a rien vu. Oh la dinguerie. Ok, on va essayer d'arnaquer un truc, mon gars. Ah mais quoi, mais c'est où là? On est où? Bon, écoutez, ça se trouve, ils ont pas fait gaffe. On en est où là? On est devant ou on est derrière du coup? Les 100 000 dollars, c'est pour nous, je te le dis! On va même plus le trou de balle d'une seule voiture! T'inquiète pas, on va dépasser les morts! Mais putain, ça tourne pas cette merde! C'est bien, j'adore ce que je vois! On y va doucement, mon capitaine! Doucement, voilà! Voilà, c'est bien, c'est ce qu'il faut! Vas-y, cut à donf là! Tu m'entends là? Allô? Tu m'entends? Ouais! Cut partout là! Non, mais je cut pas, là j'ai fait cut! C'est la fin, bien joué, c'est la fin là! Oh non, on en va écraser des gens encore! Non, t'as pas passé bon. Ah, bien joué! Ouais! Regarde, on va le doubler lui, il est dans le talus! Tiens, salut la bise! Eh, on est pas dernier! Je crois que c'est passé, mec! Je crois qu'on a pris les 100 000 là! Voilà, ouais! Visez bien! On est dedans! Mais non, mais c'est qui l'autre? Non, c'est pas possible! Il doit y avoir triché! Putain, on est arrivé trop tôt, mec! On est arrivé trop tôt, je le savais! Il fallait. Non, dis-le! Derrière! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu triche! Ça va, Antoine! Tu t'étais pris une voiture et du coup j'ai eu peur! J'ai un petit peu pris là, ouais! Tu t'arrives à te relever? Faut que j'appelle quelqu'un? Non, je peux me lever. Bah ça a pas l'air d'aller, là. Ça a pas l'air d'aller du tout, là. Ça va, Daniel? Ça va? Daniel? Oh non. Super, héros, enfin. Tu vas bien? Bah, non, mais c'est mon cousin, il parle plus. Oh, pardon. Il est juste ici, là, ne vous inquiétez pas. Oui. Ça va pas? Bah je sais pas, il parle plus et il s'évanouit et du coup je sais pas quoi faire. Et qu'on appelle un médecin? Non, ça va. Bah non, ça va. Ça va. J'ai juste eu un peu d'émotion, c'est tout. Voilà.
Non mais ça arrive, c'est normal, c'est un trait de caractère chez les croûtes. Problème mineur, problème mineur, on s'en va. Oui. Bonne journée. Oh là. Ma voiture. Triche, on a gagné, on a gagné. Il n'y a qu'un seul tour et on l'a gagné, hein. On a vu le tricheur. Alors non, si c'est un seul tour, c'est un gros tricheur. Non, il a triché, il a coupé, il a coupé. Il a triché. Il a coupé, on avait personne devant nous. Non, non, non. La famille Johnny a coupé, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Mon capitaine, on a 100 000 dollars là? Non, c'est pour lui, c'est pour lui. Ah merde. Et on fait 50-50, capitaine? Non, non, je vous donne tout, vous inquiétez pas. Allez, le saut! Ouais! Putain, merde, c'est bon. On va finir en marche arrière, t'es prêt? On est premier, on est premier, on a gagné, ouais. Sortez des voitures, arrêtez s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'on essaie d'arnaquer Papa Johnny. Attendez, Roy, c'était un ou deux tours? C'était un seul tour, le problème a priori... Bah on a gagné. Oui, allô? Oui, Antoine? Oui, oui, bonsoir. C'est Donatien de Montazac à l'appareil. Oui, je reconnais. Je me suis un peu fait écraser par une voiture, mais ça va, je vous écoute. Bah oui, j'ai l'impression que au lieu d'aller travailler, vous participez à des rallyes. Vous savez, c'était le soir, on s'est dit on peut se permettre ça. Le soir? Regardez le ciel et dites-moi de quelle couleur est-il. Ça a duré un petit peu longtemps. Regardez le ciel et dites-moi de quelle couleur est-il, Antoine. Ton téléphone. Il est gris. Il est gris et quoi d'autre? Il est blanc. Oh, je suis au téléphone, pardon, monsieur. Ça va, monsieur? Oui, ça va, monsieur, je suis au téléphone. Attendez, tout le monde me parle en même temps, je suis au téléphone. Merci la police, je parle avec mon patron. Bah, vous faites une belle danse. Oui, écoutez, je vous rappelle dans 2 minutes. Mais c'est pas vrai! Ça va, Antoine? T'as été écrasé? Oui, ça va. Il faut que je rappelle Donatello, je lui ai raccroché au nez, il a pas adoré. Je crois qu'on a perdu notre stage. Mais non, mais il va nous reprendre parce qu'on a des infos. C'est par rapport au camion? Non, mais il sait pas que c'est nous, ça. Alors, quelle est la chose top secrète dont vous voulez me parler? Eh ben, il faut que... Alors, vraiment, je pense que vous voulez vraiment qu'on soit à un endroit tranquille pour qu'on vous en parle, hein. Vraiment. Mais on n'est pas viré, ou bien? Bah, tout dépend de la chose secrète dont vous allez me parler. Allô? Donatien? Retrouvez-moi, je vous envoie à destination dans quelques instants, d'accord? Oui, d'accord, bisous. Du coup, alors, qu'est-ce que vous devez faire? On peut être là, on peut vous couvrir. Et bah, là, nous, on doit juste aller voir Donatien pour lui dire qu'on a des infos top secrètes. D'accord. Est-ce que vous avez besoin d'aide sur ça ou ça ira? On est détective. Est-ce que vous connaissez Sarah Carter? Parce qu'elle est journaliste, oui. Peut-être elle peut vous aider. Ah non, on la connaît pas, justement. Non. Si vous voulez, on vous donne son contact. Et nous, alors nous, on doit juste voir le patron. Mais après, on peut se retrouver si vous voulez. Faire la fête, boire quelque chose. On verra parce qu'on va peut-être pas trop tarder à se coucher aussi. Moi je pense que ouais, on a eu une grosse journée donc je pense qu'on va aller dormir. De toute façon, nous on est là, vous nous dites. Eh ben je vous laisse. Bon courage, bonne soirée. Bonne journée à vous, au revoir. Bisous. Moi chez Donatien. Bah non, il doit nous donner un endroit secret pour aller. Allez, la première journée, il faut tomber dans le coma. Ok. Hop là, ça dégage. Johnny! Et voilà, c'est Papa Johnny! Il aura vraiment pris ce truc. Ouais, il ne peut pas gagner, c'est pas normal. Je vais nous avancer pour cette première course ici à Los Santos. Vous pouvez applaudir bien fort votre champion, Johnny! C'est truqué! C'est truqué! C'est truqué! C'est truqué! Boum! Let's go! Bon, visiblement, Donatien, il l'a rappelé pour lui dire où aller. Ouais, non, mais c'était incroyable quand même. Non, mais moi, je serais pas contre m'occuper de ses présentateurs. C'est vrai qu'il était un peu arrogant. Et en soi, Cadillac n'aurait jamais dû être dans la course vu qu'il était éliminé, mais ils ont fait un petit peu de passe-passe là. Ouais, non, mais ça sent la corruption à planer et tout ça. Puis c'est mal organisé, je veux dire. Je veux bien que je puisse pas participer avec ma bécane, mais qu'ils me le disent. Quand je suis arrivé, ils m'ont dit « Oui, vous pouvez participer !» Oui, ils ont dit « C'est validé, mais... » Oui, c'est des charlots. Bon, j'ai récupéré les 100 000 dollars. Merci beaucoup, groupe 6. Je vais faire le virement. Enfin, le transfert d'argent. Voilà, on va commencer avec Gontran. Pour qu'il n'y ait pas d'énervement... Ouais, commencez avec lui, là, il est nerveux. On va donner 50 000 dollars. Moi, j'ai perdu ma voiture. Moi aussi. Je crois que je me suis fait voler. Elle est plus du tout au parking. Tu es où? Je suis vers le domaine. D'accord. Bon, bah, je trouve ma voiture et puis j'arrive. Je fasse attention quand même, c'est par là. Oh non. Félicitations pour cette
Ce petit vol, on va pas se le cacher. Ouais, ouais. Réussir avec un coup de poing dans le dos à gagner 50 000 dollars, c'est clairement du jamais vu. C'est de l'expérience, ça, mon gars. Oh, attends. Je vois des trucs passer, je vois des camions passer et... Moi, tu sais, dès qu'on voit un camion de Dalmatien, je le chope. Hein. Vraiment. On est dessus, ok. Ah ouais, 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 hein, je le chope. Allez, messieurs, bonne soirée sur ce. Hein. Ouais, allez. Au plaisir, merci encore. Hein. Félicitations au gagnant. Hein. Merci, ah, merci beaucoup. Alors, tu vois, 50-50, alors que c'est Johnny qui a mis les patates. Ouais, Miguel. Comment ça va, ça? Ça va bien? Oui, il vérifie que tout va bien. Ouais, tout va bien pour l'instant. J'ai demandé au réfé, il m'envoie des zips justement, puisqu'on en a besoin pour l'affaire. Si, et c'est une affaire avec qui? C'est une affaire avec, bah tu sais, la course de rallye là. On s'est fait voler 100 000 balles. Oh, par qui? On s'est fait voler 100 000 balles par Johnny, donc on va juste récupérer notre argent. Y'a Yo-Yo, il a volé les sous? Oui, il nous a volé les sous, exactement. Il le connaît bien, Yo-Yo. Ouais, ouais, tu le connais bien, bah je suis désolé, hein, mais là c'est une affaire personnelle. Hein. Magnifique! Wow, ah, les sangliers, les fameux, bien sûr. Évidemment, c'est nous. Si, et vous allez faire quoi, Johnny? Ah, Johnny, ben on va récupérer notre argent, c'est tout. Rien de plus, hein. Et vous allez le tuer? Écoutez, messieurs. Ouais. Si je vous fournis quelques bouteilles maintenant, vous pensez que vous pourrez les écouler? Ok, on les voit. Ok, on attend les zips et on s'occupe de ça. Et d'accord. Il veut toi, Johnny? Pourquoi y a un hélicoptère qui survole, là? Qui c'est celui-là? Ok, oui, on pourrait. Vous avez des adresses en particulier? Excusez-moi, attendez. Oui. Ouais, Miguel. Johnny, sous le merde. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a trois hommes armés qui te cherchent. Comment ça, ils sont pas en hélicoptère, par hasard? Pas que. Il aurait donné un peu les armes de fou. Ils m'ont dit, c'est pour toi, Johnny. Il nous a pris notre pognon. Mais comment ça, qu'est-ce que tu lui as donné comme arme? Un AK-47. Quoi, une AK-47? Et c'était qui? C'était qui, ces mecs? Je sais pas, sous 12 Albanais, ils m'ont dit Yoni m'a piqué mon pognon au rallye. Eh bon bah ok, merci de m'avoir prévenu. Yoni, c'est ton problème, tout m'appelle, you viens, you le tout. Ok Miguel, c'est cool, je te dis si j'ai besoin d'aide, ça marche. J'espère que c'est le docteur Maison qui va venir. Je sais pas si vous avez eu ça aux infos, mais il y a une prise d'otage à une banque l'autre matin. C'est pas vrai. Il se trouve que j'étais otage et c'était ce petit cartel mexicain là, de petits originaux. Bref. Ah oui, les vagos. Ouais, les magos, et j'ai entendu dire dans leur discussion que visiblement, comment dire, vos camions transportaient plus que du vin en ce moment. Alors, pas que je sache, c'est peut-être mon associé. Ah! Monsieur Fabien Torres ne m'aurait-il pas mis au courant de tout? Ah bah voilà autre chose. Ah, on m'a donné son numéro à Fabien Torres, tiens. Ça expliquerait la disparition de certains camions. Aïe, aïe, aïe. Ah, vous m'en apprenez des bien belles. Excusez-moi, qui êtes-vous? Kim Dwight, brasseuse. Brasseuse! Oh bah, suivez-moi! Et vous savez que les grappes de raisin par ici sont de très très haute qualité, c'est du Montazac Torres! Ah, mais c'est vous le vigneron qui fait augmenter tous les prix? Alors, je sais. Certainement qui fait augmenter la qualité de tous les produits, vous voulez dire, je pense. Vous avez l'air d'être quand même sacrément fatigué. Oui, bah écoutez, je viens de passer au moins 3 jours sur le sol, donc effectivement, je pense que ça a abîmé mon visage un peu, oui. Je peux comprendre. Oui, oui. Mais là, c'est bon, vous avez votre véhicule? Oui, bah il est là. Mais vous êtes... Mais... Et vous avez pas de casque? Si. J'ai demandé au policier Harris et il m'a dit que mon casque là ça suffisait. Donc il faut que j'appelle mon cousin d'ailleurs parce qu'il m'attend du coup et d'ailleurs il s'est pas du tout inquiété. Ça fait 3 jours que je suis là, il m'a même pas appelé. Bon, vous voulez que je vous accompagne? Oui, je veux bien. Oh le flash, non! Juste au dernier moment quand j'arrive à l'hôpital. Bon, qui est à l'hôpital? J'ai envie de dire bonjour. Ah, bien le bonjour. Est-ce que bonjour. Je peux vous aider, citoyen? Je venais juste dire bonjour à monsieur Maison. Docteur Croûte. Bonjour, monsieur Maison. Docteur Croûte. Oui, je voulais juste vous dire bonjour. Bonjour, docteur Croûte. Je dérange? Non, docteur Croûte, jamais. Bon, ça fait plaisir de vous voir, en tout cas. Comment va votre journée? Racontez-moi tout. Bah, écoutez, docteur Croûte, j'ai appris quelque chose de terrible. Oh non, qu'est-ce qu'il y a eu? Il semblerait qu'il y a un hurluberlu qui nous vole des défibrillateurs. Qui oserait vous voler? Je ne sais pas encore, cher ami. Moi, je te préviens, j'ai un deagle, mais c'est tout ce que j'ai. Quoi? Moi, j'ai rien du tout, hein. Je peux pas te protéger. Je t'envoie un message, Soon, je t'envoie un message bientôt. D'accord! En tout cas, le plan cul avec Krusty, j'y crois pas trop, là. Non, moi, j'y crois, hein, mais je pense je sais pas ce qu'il faut faire, ces bouteilles. Il a pas compris ce que je voulais faire, mais il avait l'air d'être trop honnête, je sais pas.
Écoutez, cher ami, je vais juste voir cette charmante dame là-bas et je reviens vers vous pour vous embaucher dans les plus brefs délais. Parfait, merci beaucoup, merci. Bon. Elle va être embauchée à... Vous avez des stagiaires ? Oui, je cherche à faire du stage dans le domaine de l'infirmation. Oui, c'est bien ça. Et ben, vous savez, moi j'ai été stagiaire ici. Ah, mais vous êtes croûte ? On m'a entendu, j'ai entendu parler de vous parce que vous donniez des coups de club de golf dans les gens pour les soigner, il paraît. Oh non, j'ai juste... c'est arrivé, mais c'était sans faire exprès. Après, j'ai bien fait mon travail, j'ai juste perdu 2-3 ambulances. Nos grappes de raisin, on les vend parce que c'est de la très haute qualité. Vous avez parlé des prix tout à l'heure, il est vrai effectivement que nos produits ne sont pas donnés, mais ils sont de très haute qualité. Les raisins blancs, normalement, sont à environ 200 l'unité, mais pour vous, je veux bien les faire à 150 l'unité. Qu'est-ce que vous en dites ? Vous savez que vos prix sont illégaux, monsieur. Illégaux ? C'est très cher pour une grappe de raisin. Ah, c'est effectivement très cher pour une grappe de raisin qu'on trouverait chez Carouf, effectivement. Mais c'est du Montazac Torres, madame. Je vais vous laisser, lui, il a l'air de vouloir vous parler. Si vous avez quoi que ce soit comme problème, Vanessa, vraiment, vous m'appelez. Parce que moi, je suis très débrouillard. Ok, super, merci. Merci. C'est bien d'avoir des contacts comme vous. Au revoir. Au revoir, monsieur. Est-ce que c'est trop, vous croyez, si je lui mets un petit bouquet ? Moi, c'est Antoine. Ah, pardon. Antoine Croûte. Bonjour, monsieur Croûte. Bah attendez, vous avez travaillé un peu chez nous. Oui, bah oui, ça fait plaisir de vous voir, docteur Fleur. Ah ouais, mais vous avez changé un peu de vêtements, hein, monsieur. Bah oui, avant j'étais au paramédic. Ah ouais, bah ça ouais. Vous va bien, comme ça. Merci. Oh, Vanessa, attendez juste une seconde, docteur Fleur. Juste, Vanessa. Oui. Bougez pas, tenez. Oh. C'est pour vous. Oh, mais... Ah bah merci Daniel, je vais rougir, bah moi je sais... Ça fait plaisir, je voulais juste voir un sourire sur votre visage. Oh là bah alors je sais pas quoi dire, je... Bon non, vous inquiétez pas, y'a rien besoin de dire, J'ai un message. T'as fait une bêtise. Je l'ai pas répondu. Oh, il va falloir que je joue avec les mots. Attendez, je sais. Non. Monsieur Croûte ? Oui, bonjour, j'ai une question d'ordre personnel. Oui. Comment je dis à une fille que j'aime bien merci avec des jolis mots parce que je sais pas trop le faire ? Est-ce que c'est possible vous m'écrivez un message puis je l'envoie après parce que moi sinon il y aura plein. Est-ce que Antoine, j'ai une très bonne technique pour ça. Est-ce que tu as une bouteille de Montazac Torres sur toi ? Non, j'ai pas volé. Non mais tu n'as absolument rien sur toi ? Je lui ai déjà donné des fleurs. En fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu lui vendes une bouteille de Montazac Torres. Je viens à la plantation et je t'en donnerai une. D'accord, attends. D'accord, on fait ça. Ouais, Miguel, t'es où ? Faudrait qu'on parle de tout ça, quand même. Si, il arrive. T'arrives où ? Mais t'es où ? Parce que là, je repars chez Krusty le clown, là. Je suis loin, là. Non, toi, pas loin. Il sait où tu es, puisqu'ils sont en route. Ils arrivent chez Krusty. Oh, merde. Merde, Gontran ! Pardon ? Pardon, monsieur, je suis vraiment désolé, tout va bien. Mais du coup, je sais que Miguel y va, donc j'hésite à... Enfin bref, vas-y, on se casse. On se tient au courant, on se retrouve à la maison ou un truc du genre. Je crois que c'est trop... Qu'est-ce que c'est ce bordel de merde? Arrête! Oh, carré! Range l'arme. Ok. Monsieur Gontran? Non. Bon. Et apparemment, Yoni, il aurait pris les aliens qui n'étaient pas à lui. Quel argent qui est pas à lui ? Il a pris de l'argent qui est pas à lui ! Et il doit nous le rendre ! Des gens qui c'est pas à lui et c'est à nous ! Mais quel argent qui est pas à lui ? L'argent du rallye ? Il a gagné une certaine course du rallye. Parce que le mec, il a gagné la course et il m'a dit... Écoutez, suivez-moi. Suivez-moi. C'est quoi ce bruit ? Je ne sais pas, mais je n'aime pas ça. Putain, il a pas plusieurs entrées dans sa bicoque de merde ? Oh putain. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Attendez, je suis désolé. Ah chérie ! Qu'est-ce qui s'est passé sur ma propriété ?
Que si quelqu'un pointe cette femme avec son arme, y'allait tout. Mais pourquoi? Pourquoi Monsieur Gontran est-il au sol? Monsieur Gontran! Faut pas faire chier Papa Johnny. Oh! C'est Yoni! Sous le merde! Sous le merde! Oh mais c'est pas vrai! Il a une carte d'identité, l'Empereur Xenos? Empereur Xenos, il est au-dessus de nous. Actuellement, il doit sûrement nous regarder. Oh putain. Thomas, je regarde le plat. Très dommage, ouais. Allô? Capitaine, il y a une fousillade! Où? J'ai promis à Kim qui est au Castello de Tantero. Ok, bah je vais appeler la police aussi. Pourquoi vous avez fait ça, Miguel? Si! Il est pas moi! Moi, il était le Ouzi, mais vite fait, pas beaucoup! Il était pour le sauver, monsieur Yoni! Il est ma boule! Je sais pas. Si! Toutes les unités! Monsieur le bon bazar, le police est là. Fou chier, chérie! Ah, chérie! Faut y aller! Monsieur de Montbazac, faut pas rester là! Faut pas rester là, monsieur Montbazac! Faut pas le dire! Il y a pas le choix! Mais que quelqu'un réveille ce bon vieux Gontran! LSPD, LSPD! Les mains en l'air! Vous êtes cernés! Oh putain! Quoi? Les mains en l'air, tout le monde! Coopérez! C'est Yoni qui m'a dit Castello! Viens vite! Mais pourquoi y'a un tracteur chez moi maintenant? Comment ça, Johnny t'a dit que... C'est moi, monsieur! Oh, mais Antoine, mais pourquoi t'es venu en tracteur? T'as ton prêt à mi-tracteur, Antoine? Je me suis fait voler ma voiture! Non, mais il t'arrive que des merdes, Antoine, c'est pas possible! Oui. Écoute, tu vas me récupérer quelques grappes de raisin et fis ça, hein? Non. Antoine, viens par ici! Je peux vous demander un conseil entre... Vous êtes un peu mon mentor et un peu mon papa spirituel maintenant, hein, monsieur? Bien sûr, évidemment. Mais comment s'il y a deux filles que j'aime bien? Très bien. Deux? Elles sont deux. Oui. Tuez-moi. Non, attendez, j'ai tout ce qu'il vous faut sur moi. Oui. Il y a des petits coups de feu, monsieur. Mais arrêtez de tirer sur mes sangliers! Non! Nous avons été appelés pour une urgence médicale? Oui, c'est monsieur Gontran, mais... Monsieur Gontran, derrière le tracteur. Sanglier? Oh! Mais quelle est cette... Bah, oh, mais non, mais... Expliquez-moi pourquoi vous êtes tiré dessus, oui, je veux bien. Mais c'est Antoine! Oui, c'est Antoine. Il est là. Antoine, mais... Antoine, qu'est-ce que tu fais? Antoine, tu ne supportes pas la vue du sang, debout! Sinon, je te licencie! Oui, je me lève! Regarde, je vais t'expliquer comment tu vas pécho tranquille! Mais c'est pas pécho, c'est comment je choisis, comment je veux! Oui, d'accord. Tu vas prendre... Attendez, dites pas à celle! Ok, tu vas prendre deux bouteilles de Montazac Torres et tu vas leur demander. Oui. Normalement, elles se vendent 300. Oui. Mais vu que je t'aime beaucoup, oui, je ne te les fais qu'à 200. D'accord, c'est une super idée, ça, monsieur! Voilà. Et pour ce conseil-là, j'aimerais bien que tu me donnes un petit tips, bien sûr. Oui, je vous donne, attendez. Non, enfin... C'est avec plaisir, monsieur. Antoine, serrez ma main. Vous m'entendez, serrez ma main. Reviens. C'est très gentil, ce bouquet de fleurs, mais je pensais plus à un peu d'argent, vois-tu. Ça va aller, monsieur. Allez, monsieur, ça va aller. Éloignez-vous. Ah. Monsieur. Ah putain, c'était monsieur. La première fois que j'utilisais un Deagle, j'en aurais dû avoir au moins un, bordel. Monsieur, si vous m'entendez, serrez ma main. Si vous m'entendez, serrez ma main. Oui, merci. Il reprend conscience. Oui, tout est réglé. C'est deux personnes cagoulées qui ont tiré à l'usine et qui sont reparties. Oh là 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 là. Quelle histoire. C'est facile, hein, j'ai l'impression. Mais attends, mais moi, j'étais en train de faire justement le tour parce qu'on m'a dit qu'il y avait peut-être des énergumènes qui se ramenaient. Vous étiez en train de faire quoi, vous? J'étais en train de faire affaire avec la dame que nous avons trouvée dans les vignes. Si. Et du coup, j'ai rencontré monsieur de Montazac. Si. À qui j'ai acheté des grappes de raisin extrêmement chères, malheureusement. Non. Non. Ça va. Et on ressort, il y a des morts de partout, et c'était qui les monsieur masqués? Et c'était la concurrence de Yoni. C'est incroyable cette histoire quand même. Mais c'est fou, et surtout ça se passe toujours sur ma propriété. Non, il va... Non
Ouais, ça roule bien en fait. Ça va? Non. Oui, Antoine. Tire ton seul camion.